Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à Affinity Photo. On a vu précédemment qu'avec le masque de fusion, ça nous permettait entre autres de récupérer une sélection avec des contours nets par endroit et des contours flous à d'autres endroits comme autour de la chevelure. Là, ce qu'on va faire, c'est un effet de fondu avec des opacités variables selon les zones. Donc, je vais sélectionner cette image, ce portrait. Donc, CTRL A, CTRL C, je le copie. Et je viens le mettre sur cette image de neige qui tombe. CTRL V pour ça. Ici, je peux déjà redimensionner mon image puisque celle-ci est un peu plus de pixels que l'autre. Donc, je me place sur l'angle et je fais un cliquer-glisser. Il n'y a pas besoin de maintenir majuscule dans Affinity Photo, il respecte les proportions par défaut. Voilà, j'obtiens donc mes deux calques, arrière-plan avec le visage et celui-ci avec la neige. Je vais pouvoir créer un masque de calque associé à ce calque portrait. Donc c'était ici masque de calque. Et je vais utiliser l'outil dégradé pour réaliser un fondu des deux images l'une dans l'autre. Donc l'outil dégradé, vous l'avez ici. Quand je clique sur cet outil, j'ai les propriétés toujours qui s'affichent en haut. Je vais prendre par exemple linéaire. Voilà. Et vous allez tirer sur l'outil en faisant un cliquer-glisser. Vous voyez que l'outil dégradé, il y a deux points qui sont en fait à chaque extrémité de votre ligne qui vont vous permettre de choisir la couleur d'arrivée du dégradé et la couleur de départ. Là, ce point est sélectionné. Donc ici, dans la palette couleur, je vais pouvoir définir du noir. Donc j'ai fait un double clic. Voilà. Qui va rendre cette zone complètement transparente. C'est pour ça qu'on voit le fond de neige. Et ici, je vais conserver du blanc. Je peux régler comme ça l'effet de mon dégradé. Plus l'élastique est court, plus la transition entre le noir et le blanc, voilà, va être brutal. Plus l'élastique est long, plus je vais avoir un effet de fondu progressif. Donc je vais pouvoir comme ça, en jouant sur cet élastique et sur la direction, ajuster le mélange de mes deux images. Vous voyez, si je fais un élastique très court, j'ai une zone très franche. Plus j'étends, voilà, plus je vais avoir un mélange les deux zones. Je peux déplacer chaque point du dégradé par cliquer-glisser. Alors, ce qui peut être intéressant, par exemple, dans ce genre d'effet, c'est de prendre un dégradé de type radial. Si je fais un dégradé de type radial, voilà, pareil, je clique et je glisse, voyez, et je vais pouvoir venir ajuster pour conserver le visage opaque, avoir une transparence de plus en plus importante ensuite, jusqu'à une transparence complète sur les bords de mon image. Donc ce masque de calque associé à l'outil dégradé, c'est un outil très pratique pour réaliser des fondus d'image facilement et rapidement. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi si vous avez apprécié le cours. Ça nous permet aussi de nous faire connaître et de faire connaître les différents cours de Photophile. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.